pour moi, c'est un rôle majeur. C'est quand même lui qui doit orchestrer tous les cours. L'étudiant a aussi un rôle important dans sa motivation. C'est pas uniquement le professeur qui doit être maître de cette motivation. Je pense que chaque élève qui choisit un cursus ou une voie, je pense que s'il l'a choisi en étant motivé. Après, le rôle du professeur, c'est d'augmenter cette motivation. Par exemple, dans mon cursus en physique-chimie, c'est assez vaste, donc je vais voir tout un panel de cours tout à fait différents, en passant par l'électronique, la chimie, la physique, la mécanique quantique. Notamment pour moi, je veux aller en chimie. L'électronique, c'est complètement un monde un peu parallèle pour moi, c'est un monde qui ne me plaît pas forcément, et pourtant, j'ai des professeurs qui me permettent de m'y motiver. Je dirais surtout... Il faut qu'il soit vivant, faire des cours vivants, qu'il y ait un échange qui se crée, surtout que ce soit attrayant en fait. Je leur dirais déjà d'oublier un peu la pédagogie traditionnelle et de vraiment motiver les élèves de façon à leur faire voir un avenir et donc de concrétiser tous les savoirs qu'ils donnent. Ce qui est important de comprendre, c'est que la motivation, c'est un phénomène qui est très intrinsèque à l'étudiant. L'étudiant n'est pas motivé ou il est motivé. Donc, il y a des sources intrinsèques de motivation, nous les connaissons, et l'enseignant ne peut pas agir directement sur ces sources parce qu'elles sont intrinsèques à l'étudiant. Ceci dit, je pense que nous avons des facteurs, ce que nous appelons des portes d'entrée, des facteurs relatifs à la classe. Je pense à l'enseignant lui-même, je pense aux activités pédagogiques qu'il propose à l'étudiant. Ce sont des facteurs sur lesquels il peut intervenir pour en arriver à essayer le plus possible d'influencer les sources intrinsèques de la motivation de ses étudiants. Je pense que la motivation des étudiants, c'est d'abord et avant tout... Ce sont les étudiants qui sont responsables de la motivation. Je pense que les étudiants ne peuvent pas dire au professeur « Allez, motivez-moi ». Non, je pense que les étudiants doivent eux-mêmes se trouver une certaine motivation. Ceci dit, je pense que l'enseignant est un autre acteur très important. Il doit créer un environnement pédagogique qui va susciter la motivation des étudiants. Et en plus, je pense que l'enseignant doit être soutenu par son administration, par des conseillers, par d'autres professeurs, pour en arriver à faire une équipe qui va permettre à l'étudiant de se sentir à l'aise et de se sentir motivé à suivre ses cours.